What's up YouTube, c'est Pred Queen et aujourd'hui on se retrouve sur Resident Evil 2 pour la suite de nos aventures horrifiques dans ce putain de commissariat de merde. Donc la dernière fois, comme vous pouvez le voir, Marvin, il a tourné, du coup, je l'ai buté. Voilà, comme ça c'est réglé. Donc la dernière fois également, nous étions dans le garage avec les clébards. Donc là du coup, j'ai récupéré le levier, je vérifie si je l'ai toujours. Ouais. Et du coup, avec le levier, je peux ouvrir le rideau en fer. Donc, alors, attends. Le rideau en fer, c'est pas cet étage-là. Voilà, c'est le rideau qui est là. Voilà. C'est là. Comme ça, après, je peux aller dans le bureau du chef, dans la collection privée. Je peux monter sur le toit. Et j'ai pas mal de trucs sur le toit. Bon, du coup, après, je pourrais atteindre la tour de l'horloge. Entre deux, je veux juste vite fait regarder un truc. Parce que j'ai pas beaucoup de munitions et j'irais bien récupérer de la poudre de cheminette. Sauf que... Alors attends, premier, déjà, voyons au rez-de-chaussée s'il y en a. Alors, ça c'est la clé cœur. Je l'ai pas et la clé trèfle, je l'ai encore moins. Donc du coup, c'est réglé. C'est quoi ça? Il y a un couteau dans la salle des casiers, certes. Mais j'ai toujours pas le deuxième couteau, donc... Ah oui! Ah oui, 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 oui! Il fallait que je retourne récupérer l'extension d'inventaire, parce que dans l'épisode précédent, je vous l'avais montré, mais du coup, je l'avais pas... j'ai pas pu enregistrer, j'ai plus de ruban. Du coup, c'était dans le bureau ouest. Putain, merde, c'était au rez-de-chaussée. Ah! Ah, commissariat de merde! Du coup, voilà, je vais remonter vite fait tout en haut, parce qu'il y a de la poudre de cheminette, et puis parce que j'ai plus de balles. Donc il m'en faut. Je crois que c'est là. Ouais, c'est là. Alors, je me souviens plus de la combinaison. Je crois que c'était 9, 15 et 7. On va regarder. Non, c'était à gauche déjà. 9, 15 et 7. C'était pas ça. Bon, alors du coup, on va regarder. Alors. Ah voilà, c'est ça. C'était 9 à gauche, 15 et 7. Bah ouais, c'est ça. 1, attends, merde, à gauche. Ah, putain, on recommence. 1, alors 9, 15 et 7. Voilà, merci bien. Non mais dis donc. Voilà, deux cases d'inventaire supplémentaires, ça je crache pas dessus, et alors pas du tout. Alors, donc ça c'est fait. Il y en avait un autre coffre en haut, ouais. Je m'appelle Léon, je m'appelle Léon. Et je cours, et je cours, et je cours, et je cours, et je dandine du cul. Alors du coup, si je vais par là, ouais, c'est vers les rideaux de fer après. Bon, du coup, je veux juste voir le coffre. Voilà. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Oh. Vous voyez ce que je viens de trouver? Bien. Parfait ça. Est-ce que ça améliore le... Bon, je sais pas si... Je sais pas si ça va améliorer grand-chose, mais à côté de ça, c'est cool. Bon. Du coup, faut que j'aille en haut, moi. J'ai pas envie, hein. Je vous le dis tout de suite, j'ai pas envie. Mais j'ai pas le choix. Alors, est-ce que je passe... Ah, je peux passer par là, en fait. Ouais, c'est ce que je vais faire. Je vais passer par la bibliothèque, comme ça, je vais récupérer la première poudre de cheminette. Et puis, du coup, je vais pouvoir avancer. Par contre, si je dis pas de conneries, toutefois, dans cette zone-là, la zone bleue que voici, vous voyez bien la zone bleue? Eh ben, je suis sûr et certain qu'il reste un liqueur. Autant dire que ça peut être merde. Bon alors déjà, bonjour messieurs, vous levez pas pour moi surtout. Hop, je récupère la poudre. Il faut que je retourne, de toute façon, l'idéal c'est d'aller dans le bureau des Stars parce que j'ai deux trucs à récupérer, donc dont de la poudre jaune pour faire des munitions de pompe. J'ai un
Ah ouais, Ah, il est là le Magnum en fait, il est dans l'armurerie. Ouais, mais j'ai pas le code du dossier, donc je peux pas. Et il faudrait éventuellement que je récupère la poudre qui est là et ouvrir le cadenas qui est là. Comme ça après, bah, je vais essayer quoi. Alors, est-ce qu'il est toujours là ce connard de liqueur? J'avance comme une pédale, hein, je vous le dis tout de suite. Ok. Alors, est-ce qu'il reste des trucs à récupérer ici? Non. Donc. Alors, déjà, il y avait la sacoche de soins à récupérer. Voilà. Ensuite, il y a la poudre de cheminette jaune que je vais mélanger à la poudre de cheminette noire pour avoir des balles de pompe et je vais recharger mon pompe. Voilà. Ensuite, donc, alors, manivelle, les objets de soins, je les mets en haut. Hop. Voilà. On va même faire ça. Voilà, c'est bien. Désolé, c'est le perfectionnisme. Que voulez-vous? Donc du coup, ouais, j'ai l'ordinateur qui est là, mais il faut un truc, parce que le code est corrompu, et il faut absolument que je trouve comment y aller, parce que regardez, il y a le Magnum derrière, hein. Ouais, ça fail beaucoup. Il faut une clé USB, d'accord, il faut que je trouve une clé USB que je brancherai du coup dans l'ordi pour pouvoir accéder. Ok, donc il faut que je trouve une clé USB, faites-moi penser dans les commentaires, si jamais j'oublie, faites-moi penser à la clé USB. Il est là ce connard. C'est bien, comme sur le plafond. Poudre de cheminette, merci. Y a le cadenas là qu'il faut que j'ouvre. Je vais essayer un code au pif, on verra bien. Ah bah merde. Qu'est-ce que je peux mettre? Moi essayer ça. Oh bah tiens, cap, c'est ça, pour capitaine. Oh bien! Oh, parfait. Alors là, je suis content. Bon, je peux bien en sacrifier une sur sa gueule. Voilà. En plus, elle l'a one shot, donc c'est parfait. Si je me souviens bien, il y a un casier ici aussi. C'est ça. Yeah, des balles de Magnum. Bon alors. Encore dans l'espace de stockage, là où il y a le liqueur, il y avait encore des de la poudre. Ouais, mais là je peux pas prendre le risque de retourner. Le liqueur, déjà dans cette zone-là, il va me faire chier. Déjà qu'il y a l'autre dans la zone du couloir qu'il faut absolument que je repasse là sans crever. On va y arriver. Ouais, c'est ça. La zone là, elle est bleue, tout est bleu jusque retour au salon, retour à la bibliothèque, retour dans le hall et il faut que j'aille en face en fait, c'est ça. Bon. Putain, il est là-bas ce connard.
vais essayer de m'approcher de lui, puis je vais tracer comme un bâtard. Dès que je suis en dessous, je cours. Bah, je ferai pas ça tous les jours, hein? Bon! Ah, enculé! Il a essayé de me baiser. Il faut vraiment que je trouve une salle de sauvegarde. Bon! Faut surtout que je trouve des rubans en creur, parce que là, je suis dans la merde, moi. Du coup, alors, poudre de cheminette dedans, magnum dedans. Comme ça me fait 8 balles de magnum, si je dis pas de conneries. Ouais, c'est ça. 8 balles de magnum. Le spray dedans, parce que du coup dedans il me reste un spray, un mélange, une plante verte, deux plantes vertes, un spray. Oh putain, moi je suis bien niveau soin, je suis bien. Les munitions, hop, ici. Quoique, ici même, voilà. Même en face du pompe. Comme ça, là il y aura les munitions de pistolet et là, bah voilà. Bon. Du coup, faut que je remonte. Bien là, ouais, la manivelle pour là-bas. C'est ça, c'est là. Allez hop. C'est glauque derrière. Oh, ce sont encore la merde. La manivelle, j'en ai plus besoin. Donc je la jette. Voilà. Prends de la place. Putain, je peux pas le cuter, le monsieur Raccoon. Putain, il y a une porte-cœur ici. Pour accéder au bureau du chef. Ah, c'est con. Monsieur Raccoon, j'ai pas assez de balles pour pouvoir me permettre de te tuer. Si je descends là. J'atterris là. Je prends le risque ou quoi? La clé, la porte-cœur encore. Et là. La porte trèfle, super. Pardon monsieur. Au revoir monsieur. Bon, moi je sais ce qu'il y a en bas. Et j'ai de quoi refaire des balles de pompe parce que j'ai récupéré de la poudre jaune et j'ai déjà de la poudre noire dans mon inventaire. Donc déjà ça c'est cool. Attends, je vais aller barricader. Je vais aller barricader tout de suite. Comme ça, quand je reviendrai pour ouvrir les deux portes avec les deux clés, la trèfle et la cœur, je vais pas me faire emmerder par le zombie qui vient par la fenêtre. Je vais aller barricader. Voilà. Parfait. Maintenant, je remonte. Oh, ta gueule, zombie de merde. Tu nous fais pas peur. Nous sommes armés extrêmement dangereux. Je suis dangereux. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Oh, une grenade, parfait. Comme ça, si je me fais pécho. Ah, alléluia. Des balles de fusil de pistolet. Voilà. Alors, attends, par là, il y a quoi? Il y a la terrasse. Et là, il y a le stockage. Il y a quoi dans le stockage? Ça sent le zombie de merde ici. Un rouage? Ah, ça prend de la place!
Enculé. Il y a un rouage à récupérer. Oh, des balles de pompe. Oh, zombie. Si je vais par là, j'atterris dans le hall principal. C'est fermé. Couché, Kevin. Putain, c'est où la sortie? Ok. Par là, y'a quoi? Où est-ce que je suis là, bordel? Donc dans la zone de stockage, rappelle-toi, près de Queen, il y a un grand rouage. Un grand rouage qui, pour l'instant, je ne sais pas à quoi, bah, quoi ça sert en fait. Oh, encore une plante bleue. Ouais, enfin bon, à force d'avoir trop de plantes bleues, laisse-la là pour l'instant. Elle est affichée sur la map, de toute façon, ouais, c'est bon. Ouais, saute pas, Léon. Léon, tête de con! Qu'est-ce que tu fais? Tu vas tomber! Ah! Puis en plus, il se prend l'échelle pratiquement sur la gueule. Alors ça, les gens, c'était pas prévu. Mais alors pas du tout. Du coup, je suis dans la merde. Pour remonter, j'espère qu'il me fallait pas le rouage, parce que je suis dans la merde. Ok. Bon, du coup, je peux aller visiter par là, j'imagine. Putain, faites qu'il y ait une zone safe. Des plantes. Voilà, et j'en laisse une là. Je la laisse là. J'ai envie d'avoir une case de libre. Oh, vous êtes malade, vous. Merde. Sale démon! Ouais, bon, c'est bon. Je me montre c'est qui le patron, moi. Il y a quoi là-dedans? Serait-ce que je crois? Un ruban encreur? Oh là là! Oh là là! Ah, oh, ça sent bon ça! Oh, la clé trèfle! Oui! Ah oui! Ah oui, 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 je dis oui! Alors ça, ça va dedans. La clé. J'en ai encore besoin, apparemment. Merde! Ah, ça perd l'hippopète! Du coup, alors, attends, je réfléchis bien. Du coup. Hop, ça va là. Le ruban. Donc ça, je peux. Attends, est-ce que je vais me faire. Ouais, je me ferai bien des munitions de pompe. Sait-on jamais? Ah ouais, ouais, ouais. Oh, 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 oh. Pour prendre le risque de crever comme des cons, hein. Ouais, j'ai les deux clés, là, machin. Oh, voilà. Il me reste le ruban encore si je veux sauvegarder tout de suite. Je veux explorer vite fait un petit peu avant de sauvegarder, parce que, bon, des rubans encore, bah forcément, je cours après, parce que j'en ai pas beaucoup. Ouais, d'accord. Je sais pas ce que ça a fait. Cela dit, en passant, je vais récupérer la plante verte et je vais la foutre dans le coffre tout de suite, vu qu'il y a un coffre à côté. Hop, voilà. Voilà. Alors. Le coffre, il est où? Il est là. Donc, plante verte, dedans. J'ai ça. Bon, je vais essayer d'avancer encore un petit peu. Je prends le risque. Là, il faut que j'avance. Je pense qu'il faut que je retourne dans le commissariat. Maintenant que j'ai tourné la valve, peut-être que je peux utiliser l'autre truc pour éteindre l'hélico en feu. Regardez, il y a des tuyaux au-dessus. Peut-être que. On va essayer, hein, qui ne tente rien à rien. Eh ben, ça marche! Oh, il y a des balles là! Attends, je vais attendre que le feu soit éteint. Voilà.
charge du max qu'on peut. Ah ouais, là je suis vraiment dans la merde, j'ai plus de place. Ok. Du coup, bon, on peut passer par là maintenant. Attends, y a... Oh, une plante rouge. Je peux la mélanger. Ah merde. Bah, de toute façon. Voilà. Bah, attends, j'ai la place. Ok. Ah ouais, mais y'a l'hélico. Oh, c'est quoi ça? Ah, un tyran! Un tyran! Ouais, la vache, comme tu dis, cours! Est-ce qu'il me suit, ce fils de pute? Ah oui? Vas-y, viens par là. Il est virulent! Il court! Cours, Léon, cours! Cours, 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 cours! Cours vite! Footing, Léon, footing! Cours, Léon, cours, mon pote! Cours, 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 Léon! Cours, Léon, cours, Léon, cours, Léon! Cours, 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 retourne dans le hall! Peut-être que dans le hall, il peut pas me suivre, ce fils de pute, ça doit être scripté. C'est bon, je suis passé! Je suis passé! Je t'ai enculé! Donc, nous avons rencontré Monsieur X. Monsieur le tyran. C'est une blague? Le fils de pute! Il peut rentrer dans le hall! C'était pas prévu, ça. Oh, merde. Oh, je suis pas bien. Oh, je suis pas bien. Et si j'enregistre et puis qu'il est, dans, il est à mon cul, bah, je suis encore moins bien. Ah, merde. Il y a un liqueur ici, mais merde! Mais qu'est-ce que vous foutez tous là? C'est la réunion quoi? Hé, hey, j'ai appuyé sur L1, tu te fous de ma gueule, dégage! J'aurais dû sauvegarder. Ouais, j'aurais dû sauvegarder. Putain, mais quel con. Oh merde. Eh, hey, fais chier. J'aurais dû sauvegarder, putain! Fais chier! Voilà, j'ai voulu prendre un risque et bah, je suis mort.
Bon, du coup, voilà les gens, j'ai fait un petit montage vite fait pour montrer que, vraiment, brièvement, par où je suis passé pour pouvoir revenir à l'endroit où je suis mort comme une merde. Donc, cette fois, j'ai pas fait la connerie d'essayer de tracer devant le tyran pour le semer et au final me faire niquer par un liqueur sans avoir sauvegardé. Cette fois, j'ai sauvegardé. Et du coup, vous pouvez voir que niveau munitions, je suis vraiment bien parce que je les ai plus économisés cette fois. Donc, j'ai 10 balles de pompe, 18 balles de flingue. J'ai toujours la moitié de la vie de le couteau. J'ai un mélange, un tricolore mélange de soins. Après, en soins, j'ai un spray, une plante, deux plantes. Encore un spray et encore deux mélanges, donc du coup, au niveau des soins, je suis vraiment bien. Ce qui me manque encore une fois et encore toujours, c'est les putains de rubans encreurs. Donc, du coup, celui que j'ai trouvé juste là, du coup, il était à ce niveau-là. Celui-là, bah, du coup, j'en ai profité pour sauvegarder maintenant. Comme ça, même si le tyran il me tue, ou si c'est un liqueur qui me tue, ou peu importe qui me tue, eh ben, je pourrais sauvegarder ma partie et je vais pas me retrouver baisé à devoir tout recommencer comme ça a été le cas tout de suite. Parce que je peux vous assurer que c'est hyper frustrant de devoir recommencer. C'est hyper frustrant, hyper chiant. Donc, du coup, voilà. Du coup, on va s'arrêter ici parce que ça fait déjà un petit moment. Ça fait un peu plus d'une demi-heure, je pense. Parce qu'il y a toute une partie que je vais retirer. Donc, là, pour l'instant, je peux pas vous dire combien la vidéo fait à l'heure actuelle. Donc du coup on va s'arrêter ici, puis la prochaine fois on essaye de passer le tyran et on essaye de surtout de comprendre où est-ce qu'il faut aller parce que là j'avoue que j'ai étudié un peu les plans et tout, je vois pas trop où est-ce que je pourrais aller. Et il y a le levier de l'arrivée d'eau, ouais, donc celui-là je vais l'activer en sortant, ça permettra d'éteindre l'hélico, machin, bidule, dudule. Donc ça c'est bon, j'ai la clé trèfle donc je pourrais retourner ici, voilà, je sais pas ce qu'il y a là-dedans, il y a peut-être la clé cœur donc je sais pas. Je sais pas du tout. Au niveau de la clé trèfle, je pourrais accéder aussi aux archives. Mais ça, en partant de la théorie que j'arrive à semer le putain de tyran. Ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? Parce que j'ai aussi l'engrenage, l'espèce de grosse roue, l'espèce de gros engrenage que je dois récupérer aussi. Donc je sais pas. Là, c'est dehors. C'est ça, c'est sur la terrasse en fait. Il y a une clé cœur ici, mais j'ai toujours pas la clé cœur. Donc il me faut la clé cœur pour accéder au bureau. Ensuite, ici, il y a quoi? Le PC. Donc, oui, il me faut la clé USB pour récupérer le Magnum.
Là, il y a un crick, mais il me faut le bâton pour pouvoir du crick, en fait. Il y a une porte carreau ici. J'ai toujours la clé carreau, ouais. Il y a une porte carreau. Attends, c'était à quel étage? Non, là c'est le parking. D'ailleurs, au parking, qu'est-ce qu'il y a? Il y a le panneau électrique, parce que j'ai déjà un truc électrique. Il y a le lecteur de cartes. Il y a de la poudre de cheminée jaune. Ah oui, j'avais récupéré, je me souviens, dans le chenil, ici. J'avais récupéré. Non, pas dans le chenil, dans la morgue, je dis des conneries. Ou dans la salle du. Enfin bref, dans cette zone-là, voilà. J'avais récupéré une première pièce électronique parce que là il me fallait ça pour pouvoir ouvrir la cellule de Ben, le flic qui s'est fait massacrer par le tyran, pour pouvoir récupérer la carte, pour pouvoir ouvrir le parking. Mais ça, à mon avis, ça sera pas tout de suite. Donc du coup, voilà, la buanderie, je peux accéder à la buanderie avec la clé carreau. La buanderie s'accède. Alors il y a le salon, nanana. Ah bah en fait, je suis passé devant tout à l'heure, je suis un con. Bah c'est pas grave, j'y retournerai, mais. Ouais, c'est vrai que j'ai été con. Mais c'est pas grave, j'y retournerai, c'est pas grave. La buanderie, mais je sais pas ce qu'il y a dans la buanderie. Il y a peut-être une clé, il y a peut-être une autre zone de sauvegarde avec des rubans encreurs, je sais pas du tout. Il faut que je récupère le putain de cric, il faut que je récupère plein de trucs en fait. Là, je suis pas parti tout de suite. Hein. Quand je pourrais accéder au bureau, ensuite je pourrais accéder à la collection privée. Donc là, c'est pareil, il y aura peut-être des armes, je sais pas. Levier, bon, ça on s'en fout. Et puis il faut que je trouve le moyen de remonter sur la terrasse. Ouais, c'est ça. Et en passant par l'aire de stockage avec la clé cœur, parce que là c'est une clé cœur. Donc ça, c'est. Il y a une clé cœur ici et une clé cœur ici. Non, ici, non, ici c'est juste verrouillé. Oui, ça y est, je viens de capter en fait les gens. Là, c'est la clé cœur pour accéder à peut-être une zone de sauvegarde, je sais pas. Et en fait, il faut que j'arrive à trouver le crick dans la bibliothèque pour aligner toutes les étagères pour pouvoir accéder à cette zone-là et pouvoir accéder justement à la zone de stockage depuis cette zone-là, depuis cette porte-là, pardon, parce que c'est une porte qui est verrouillée depuis l'extérieur, donc depuis ce côté-là. Et je pourrais aussi également accéder à la tour de l'horloge pour récupérer le dernier composant électronique pour, comme je vous ai dit, me tirer par le parking. Il me reste encore énormément de trucs à faire, les gens, c'est je m'en sors plus. Le mal hardcore, il va avoir ma peau parce que là, clairement, j'ai plus de ruban encreur, donc il faut plus que je meure en fait, faut plus que je meure. Faut que j'en trouve et que je meure pas. Donc c'est le stress continu de ce let's play. Voilà. C'est comme le let's play de The Last of Us en mode réaliste avec le stress, pardon, de ne plus avoir aucune munition. Bah là, c'est le stress de ne plus avoir aucun ruban encreur pour sauvegarder. Mais bon, chaque jeu, sa difficulté, dirons-nous. Bon, et bien, ainsi se termine cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à bombarder la barre des pouces bleus. Merci à vous de l'avoir suivi jusqu'au bout. J'espère que vraiment ça vous a plu. Bon, forcément, il y a une partie où je suis mort, donc c'était moins marrant. Mais n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me soutenir également, parce que je vais en avoir besoin. Comme d'habitude, j'ai pas de ruban, je suis dans la merde, donc voilà. Donc voilà. Et puis, bah, moi, je vous retrouve la prochaine fois lors d'une prochaine vidéo. Allez, tchuss tout le monde et portez-vous bien! Bah, j'ai eu un trophée pour avoir le putain de débat. Cours! Ah! Cours, Léon! Cours, mon pote!